Je m'appelle Bernadette, j'ai 72 ans, j'ai une vie professionnelle bien remplie et actuellement je suis à la retraite. Je m'appelle Patrick Dupeux, voilà, je suis professeur de karaté, j'ai commencé le karaté à 17 ans, j'ai 63 ans. Et je suis praticien en thérapie sportive, c'est-à-dire que je suis détenteur d'un diplôme universitaire sport et cancer. Un an après ma retraite, j'ai effectivement touché par un premier cancer au sein. J'ai eu droit à une opération, j'ai eu droit à de la radiothérapie, de la chimio. Ce qui me manquait, c'était de faire du sport en sécurité, parce que je craignais de me faire mal. Là, on va faire du karaté, mais ce n'est pas du karaté tel qu'il est pratiqué dans les clubs, puisque là, il y a avant tout la protection, il faut travailler en sécurité, évidemment. La discipline n'est qu'un moyen pour justement travailler sur des problématiques fonctionnelles, par exemple, liées au traitement ou liées à la pathologie, liées à l'opération, et ainsi de suite. J'ai suivi assidûment depuis début 2016, 3 séances par semaine, et j'ai apprécié dès le départ la posture, qui est une posture d'attaque ou de défense. On comprend le geste qu'on effectue et on comprend quels vont être les effets, parce qu'il faut être très très précis, et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais en fait, le fait d'être concentré sur le geste précis et complet fait travailler les muscles périphériques, mais aussi les muscles profonds. Et donc c'est ce qui amène cette intensité, et c'est justement cette intensité-là qui va impacter le métabolisme. J'ai pu ressentir des effets vraiment bénéfiques, beaucoup au niveau des articulations, retrouver la souplesse. Maintenant, j'ai retrouvé mon équilibre. Pendant une heure, on ne pense plus à rien, sinon qu'à se concentrer et à travailler dans la bonne posture, avec les bons gestes. Et j'adore crier, parce que c'est un moment de joie, de défoulement et de laisser aller. N'importe qui peut le faire. Donc je leur dis, venez, essayez, et puis vous verrez. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains.